C'était un pénalty béni, le pénalty, le but que le Paris Saint-Germain jusqu'au bout. Comment on se sent après un match où on passe un peu de maudit à béni? Bref, c'est frustrant parce qu'on domine cette équipe de bout en bout. Rien, on savait que c'était leur jeu, de rien avoir. Mais nous, on doit mieux finir nos actions. On a beaucoup trop d'actions pour un match de Champions League. Ça, c'est pas la structure, c'est pas l'organisation, c'est nous, c'est les joueurs. Il faut qu'on soit beaucoup plus appliqués devant le but. Dans des matchs comme ça, au coup près, on doit tuer. On a eu beaucoup trop d'opportunités. Et normalement, on doit gagner le match très largement. Est-ce que vous vous sentez soulagé tout de même? Il n'y a pas de quoi être soulagé. Il faut rester sous pression parce qu'on a un match à aller gagner. Et maintenant, il y a le championnat où on doit gagner les matchs. Mais on va à Dortmund pour gagner. Et je crois qu'il y a toujours une opportunité d'être premier. C'est ça notre objectif depuis le départ. Donc, avec l'ambition et la certitude qu'on va gagner. Vous avez la possibilité d'être premier en allant gagner à Dortmund. Comment vous allez vous préparer mentalement pour arriver le couteau entre les dents en Allemagne? Il n'y a pas de couteau entre les dents. Jouer avec personnalité. Dans l'idée, on y était aujourd'hui. Maintenant, comme j'ai dit, il faut travailler. Parce que comme je répète encore une fois, j'ai l'impression de dire la même chose. Mais nous, on ne peut pas se permettre d'avoir autant d'actions et de ne pas marquer. Et si on joue comme ça, avec les mêmes occasions qu'on a, et plus à droite, ça va bien se passer à Dortmund. Merci. Il y a de la détermination, il y a de la colère également hein, dans les propos de Kylian Mbappé. On l'avait vu exaspéré plusieurs fois. On va revenir sur ce nombre incroyable d'occasions gâchées par les attaquants parisiens ce soir. On rappelle ce que Kylian disait.